seul à tous, ici Onimusha, et bienvenue, bienvenue pour cette 14e journée de la Dragon's League. Alors, au programme de cette Dragon's League, de cette 14e journée, on va commencer en fait avec un match opposant le premier et l'incontesté Boo à celui qui nous fait une remontada assez sérieuse, à savoir Double le Grand. Hop, ils vont s'affronter ici en forte. Normal, pardon, et en super. Voilà, c'est ça. Ça fait un petit peu. Ça fait longtemps pour moi. J'ai dû m'absenter quelques semaines. Il faut que je me remette dedans. Alors, voyons voir si Dabra peut être la clé pour tuer Boo. Peut-être. On rappelle que Boo a perdu une fois. C'est vrai. Boo a perdu une fois. Est-ce que... bon, ça paraît mal barré pour Dabra. Allez, Dabra, on y croit. Là, boum, on compte. Non, on compte pas. C'est pas grave. Allez, vas-y, voilà, Dabra, ça commence, ça part de là. Faut partir d'un moment. Allez. Allez, allez, peux taper dans la garde. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça, tu te fatigues. Tandis que Boo, lui, ne se fatigue pas. Dabra qui essaye de trouver la bonne distance. Et voilà, Boo va commencer à faire sa stratégie habituelle. Mais Dabra fait la même. Ah, ouais. Oh, bien joué, Dabra. Non, raté, Dabra. Oui, non, peut-être, il s'observe. Ah, ça passera. Attention. Le Bouboua. Traduction de merde, bien sûr. Ouh, Dabra qui contre. Oh, Dabra qui contre souvent, hein. On l'avait vu contre le Kaioshin, notamment. Il contre, est-ce que ça passe ou pas? Oh, c'est serré. Oh, Bou qui a pris la décharge. Dabra qui recharge immédiatement son ki pour ne pas laisser Boo lui rebalancer une... Voilà, une boule de feu derrière. Est-ce que Dabra va pouvoir contrer ce coup-ci? Ouh, il la bloque et... Il la part. Ok, c'est une bonne chose pour Dabra. Oh là là, Dabra! Dabra qui a presque fait perdre 50% de la vie de Boo. C'est incroyable, il repart! Oh, c'est la première fois qu'on le voit utiliser cette attaque, je crois. Oh, la puissance de Boo qui la stoppe même avant qu'elle n'arrive jusqu'à lui. Ah, oh, ça va être une bataille de qui? Mais pour le moment... Boo est en retard! Ouh, Dabra qui la bloque et qui a des vies, je pense. Il a des vies. Ah là là, Dabra, est-ce que ça serait une bonne... le bon moment pour Dabra qui va créer, qui pourrait créer l'exp... C'est passé au travers, ça? Oh, ça c'est de la triche, monsieur l'arbitre. Ouh, oh là là, Boo qui se fait rattraper. Dabra qui se fait rattraper, mais il... Ne... Oh, bien joué le contre! Oh, le dragon! Ah, Dabra qui laisse pas du tout... Boo s'échappe... Oh là là, oui, là, par contre, il prend des coups de boule, mais ça lui fait pas perdre tant de dégâts que ça. Au final, il prend rien sur les coups de boule, il prend rien du tout. Est-ce que Dabra peut le faire? Est-ce que personne n'a réussi à battre Boo? Presque, à part... merci, je sais plus si c'est Kaioshin ou c'est Gohan qui a réussi. Mais est-ce que Dabra pourrait le faire? Ouais, il a pris deux coups vraiment violents, là. Ah, il en prend un troisième, Dabra, il a acculé. Oh, bien joué, Dabra! Peut-être que Dabra va pouvoir s'en sortir comme ça. Il fait reculer Boo! Et il cherche son ki. Oh, ça va se terminer sur un duel de ki. Dont Dabra a l'avantage pour le moment. Oh, si ça passe, Boo est mort. Si ça passe, Boo est mort. Oh, Boo qui a peur au dernier moment. Le prochain qui prend un coup, il meurt. Ah, Dabra, je sais pas si tu peux parer ça. Mais là, il va falloir te sauver, mon petit père. Oh là là, l'autorité de Dabra. Mais il est fatigué. Il est fatigué, il n'aura pas assez d'énergie pour pouvoir contrer une deuxième fois ce que Boo lui envoie. Oh, Dabra. Oh, l'autorité. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que Dabra peut vaincre Boo? Lui qu'on pensait si mauvais? Oh, il cherche en qui? Oh, ça va se finir en duel! Ça va se finir en duel de qui? Attention, Dabra! Oh, l'autorité de Dabra! Il faut envoyer derrière, bien sûr! Il faut pas le laisser prendre de la distance! Oh, le duel! Oh, le duel! Oh, c'est incroyable! Boo est très mauvais au duel de qui? Il en a beaucoup perdu, la plupart il les a perdu, je crois qu'il en a gagné qu'un seul! Et cette fois-ci, c'est... Boo qui remporte la victoire finale. Le combat le plus difficile de Boo a été effectué par Dabra. Je pense qu'on peut applaudir Dabra. C'était incroyable. Bien joué Dabra, bien joué quand même.
Allez, on enchaîne tout de suite avec un duel entre Trunks et Son Goten. Alors, on rappelle que Son Goten avait commencé très fort le tournoi, puisqu'il avait dominé une bonne partie, enfin, il était resté deuxième une bonne partie du temps. Tandis que Trunks a côtoyé le haut du deuxième tableau, deuxième partie de tableau. Mais maintenant, c'est l'inverse. Et oui, Trunks est égalité à la quatrième place, si je ne dis pas de bêtises, avec 7 points. Juste derrière Gohan, qu'on a 8. Il est égalité avec Sangoku et... je sais plus qui. Je sais plus. Et bah peut-être justement Sangoten. Je suis en train de me demander si Sangoten a 7 ou 6 points. Oh, il l'a bouffé celle-là en tout cas. Ah, Goten qui envoie ses boules de feu dans le vide et qui va être fatigué. Il va peut-être être fatigué, il va peut-être la reprendre celle-là. Oh là là, les erreurs de Goten. Terrible erreur de Sangoten qui a perdu déjà 50% ou presque de sa barre de vie. Voilà, Trunks a juste à l'empêcher d'approcher. Et voilà, et bien sûr, cette boule de feu est quasiment impossible à esquiver. Et c'est ce qui part dans la garde, il fait quand même des dégâts. Goten qui est acculé, il sait pas quoi faire. Il balance encore une fois ses ressources dans le vide. Bon, Trunks brasse de l'air visiblement. Ça lui fait plaisir. C'est peut-être un peu de trolling là, de la part de Trunks. Fait donc attention, même si là il a largement l'avantage. Il troll, mais... Oh là là, voilà, il attaque. Goten ne sait pas quoi faire. Goten est perdu, je pense que c'est impossible pour lui de revenir. Allez, encore une dernière, c'est terminé, voilà. Il a mis une paire de claques, il a eu des coups de diamant, c'est bon, territoire. Rentre chez ta mère. Voilà. Bien joué à Trunks. Qui du coup, prend son 8ème point et qui va être égalité avec Gohan. Voyons voir comment ce dernier va s'en sortir face à son match. J'ai été vérifié entre temps et c'est vrai que effectivement Trunks et Sangoten étaient à égalité. En fait, donc Trunks a repris l'avantage sur Sangoten. Et maintenant on va voir Goku affronter celui qui est deuxième à un point de Bou et qui est quasiment assuré d'arriver en deuxième place à moins d'un. Bah à moins d'un drame. À moins d'un drame, je pense que le Kaioshin. Et celui qui sera à la seconde, voire à la première place à égalité, c'est possible, on sait jamais. Mais voyons voir comment... Oh, oh l'insolence de Son Goku qui a voulu balancer à Kamehameha à courte distance. Elle a... Oh la vache, Son Goku. Son Goku qui est pas là pour rigoler aussi, hein. Il a beaucoup à faire s'il veut remonter dans les classements, voilà. Il ne faut pas laisser le Kaioshin... prendre l'avantage parce qu'on sait qu'il peut être très agressif quand il le décide. Oh, c'est la première fois qu'on voit le Kaioshin utiliser cette attaque là. Bloqué par son Goku et séparé. C'est pareil. Goku qui s'approche avec des coups de pied. Avec des dive kicks. Ouais. Cette attaque là a fait beaucoup de dégâts de Kaioshin. Mais elle l'épuise aussi, voilà. Il repousse Son Goku avec une facilité déconcertante. Lui qui avait pris un peu l'ascendant au début du combat, là il est totalement en train de se faire rattraper par Kaioshin qui semble avoir une énergie infinie. Regardez, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais de frapper. Et là, Son Goku, ça va être compliqué pour lui de revenir. S'il ne bloque pas la prochaine attaque, il risquerait de mourir. Il n'a pas d'autre choix. Voilà, bon. Il est venu mourir dans les bras du Kaioshin qui remporte une victoire, somme toute, assez facile. Son Goku qui, du coup, à la cinquième place, du coup, égalité. Eh ouais, c'est dur. Gohan, justement, on en parlait et il va faire face à celui qui est bon dernier. Il a quand même réussi à décrocher une victoire, on peut le féliciter, Trunks du futur. Mais malheureusement, il y a trois personnes au-dessus de lui, et elles ont toutes 3 points d'avance, donc là... à moins d'un miracle, cette fois-ci, c'était un drame pour Kaioshin, mais là, ce serait un miracle pour Trunks. Il va camper la dernière place à la fin de ce tournoi, mais, comme je l'avais dit là, précédemment, son rôle maintenant ne va pas forcément être... de monter dans le classement, mais surtout, oh, bien joué ça, d'embêter les autres. Et bien effectivement, s'il prend une victoire sur un autre combattant, ça le pénalisera fortement. Oh, bien joué ça. Voilà, Trunks qui se laisse pas faire, hein, qui a visiblement été choqué par mes, par mes propos.
Il ne va pas lâcher l'affaire. Il a compris que ce baisser était... Oh, joli dive kick. C'est un bon moyen d'éviter les coups de son adversaire. Il se regarde. Oh, bah tiens, pour une fois que ses coups dans le vide fonctionnent. Ah, mais Gohan est vraiment trop puissant. Oh, Trunks. Ah, non, mais Gohan qui le rattrape. Oh là 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 là. Avec une série de coups de poing. Oh, désolé, mais là... Oh, désolé, mais là... Ah, c'est 50% de vie. Se sont envolés. Elles se sont évaporées. Elles se sont évaporées. Comme un glaçon sous 40 degrés. Désolé, Trunks. Et bien sûr, si vous avez suivi, vous savez qu'il ne reste plus qu'un seul match. Celui entre Vegeta et C-18, qui sont tous les deux au même score. Ils ont tous les deux 4 points. Avec égalité avec Dabra. Eh oui. Qui l'eût cru. Donc celui qui prendra un point ici va du coup progresser dans le classement. Vegeta. Bon, Vegeta décide de se reposer visiblement. Non, bah, il va avoir une petite boule de feu. Il observe ses 18, il a raison. Oula, 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 oula. Vegeta qui se protège des baffes de ses 18. Et non, c'est pas pour moi ça. Ok, ça s'observe, c'est tranquille. Les deux jouent à peu près de la même manière. Hein. Là, pour le moment... Oh, bien joué. Joli coup de pied dans le menton. C-18 qui a largement pris l'ascendant pour le moment. Mais c'est pas fini. On sait que quand Vegeta se montre agressif, il peut largement remonter au score. Malheureusement, c'est très rare. Oh là là, mais C-18 qui tente l'intimidation, hein, C-18. Hein, parce que Vegeta, voilà, va essayer de chercher une ouverture dans la garde. Ouh, bien joué ça. Belle protection. Oui. Oh, elle aurait pu... Il a de la chance, Vegeta, parce qu'elle aurait pu faire un dragon là-dessus. Voilà, comme ça. C-18, elle a pas mal de réflexes, on nous l'a montré depuis le début. Vegeta qui est pris dans la ligne de baf. Ça va être compliqué pour lui de revenir. Il y a énormément de points de vie d'écart. Mais on sait jamais, une attaque bien placée. Ça ne sert à rien, Vegeta, de se charger ton ki si tu ne l'utilises pas. Oh, ça il l'a bien compris. Non, il l'a pas compris. Enfin si, il l'a compris, mais il utilise voilà, son ki dans le vide. Ça ne sert... C-18 qui commet l'erreur de venir prendre la dernière boule de feu. Peut-être un excès de confiance là de la part de C-18. Vegeta qui n'ose pas approcher C-18 qui essaye de. Il essaie de la jabber, hein, de la poker, comme on dit. Oh bah, c'est pris dans la garde. Et c'était suffisant pour vaincre Vegeta. Une victoire assez aisée de C-18. Hein. Oh, tu ne dois pas faire les choses qui sont impossibles. Oh, quelle prétention. Et bien voilà, c'était le dernier combat. Merci à tous. Non, je rigole, bien sûr. On va passer tout de suite au tableau des scores. Nous voilà sur le tableau des scores. Alors, je vais revenir sur un petit truc que j'ai dit durant le tournoi. Je savais plus qui avait battu Bou. Majin Buu, je savais plus qui l'avait battu. Et bien en fait, c'est Sangoku qui l'a battu. Et Sangoku, aujourd'hui, vient de perdre pour la seconde fois contre Kaioshin. C'est-à-dire qu'il vient de rater sa seule chance, sa dernière chance, son unique chance, comme vous voulez. Ça dépend de votre façon de voir les choses. De réussir le grand chelem en ayant battu au moins une fois tous les combattants. Pour le moment, étant donné que c'est le seul à avoir battu Buu, c'est le seul qui pouvait obtenir cette distinction. Malheureusement, Kaioshin l'a battu deux fois, et donc Goku n'aura pas la distinction d'avoir battu tous les combattants. Malheureusement, à lui. Jetons donc un œil sur le classement. Pas de changement au niveau des trois premiers, ils ont tous gagné leur match assez aisément. Justement, à part Bou qui s'est fait une frayeur contre Dabra. Là aussi, je pense que ça va être rajouté à la liste des meilleurs matchs de cette Dragon's League. Match incroyable qui nous a apporté beaucoup de suspense et d'émotion. J'espère que vous avez été derrière Dabra, même si vous avez perdu, j'en suis désolé pour vous. Mais on était tout cœur avec lui, ça aurait été magique, ça aurait été vraiment magique. Ensuite, bon bah, Kaioshin et Sangohan ont gagné leur match. Y a pas de souci là-dessus. Trunks ayant battu Sangoten
passe du coup quatrième, vraiment quatrième, parce que Goku également a perdu son match contre le Kaioshin. Goku et Goten glissent à la cinquième place, tandis que Trunks, le petit Trunks, passe à la quatrième place. Il y a de la nouveauté également de l'autre côté du tableau avec C18, qui vu qu'elle a gagné, elle est le seul entre elle, Vegeta et Dabra à avoir gagné son match, vu qu'elle a battu Vegeta et que Dabra a été battu par Boo. Elle fait reléguer Vegeta et Dabra à l'avant-dernière place. Voilà. Ça paraît difficile pour elle de revenir, bien sûr, encore une fois, dans le haut du tableau, mais il y a un concours entre Boo et Kaioshin. Il y a un concours entre Gohan, Trunks, Goku et Goten. Et il y a un concours, enfin un tournoi, vous voyez, une rivalité entre C18, Vegeta et Dabra. Donc on verra bien, pour le moment, elle est première de sa poule, entre guillemets, de sa partie de tableau. On verra bien ce que ça donnera par la suite. Et du coup, Gohan va devoir faire très attention à Trunks, qui le poursuit. Et bien voilà qui va conclure ce 14e épisode de la Dragon Slick sur Dragon Ball Z Ultime Menace. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et en parler autour de vous. Hein, c'est toujours très utile, bien plus que vous ne le pensez. Et on se dit à très bientôt pour le 13e épisode, la 13e journée. Allez, la 15e journée, excusez-moi, la 15e journée. Allez, salut tout le monde. Bye!